Donc la parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Mesdames et Messieurs les députés, une horreur et une ignominie. Une horreur à la mi-avril, plus de 200 petites filles, vous avez cité les âges, 12 ans, 13 ans, 14 ans, enlevées. Et une ignominie lorsque le chef de ce groupement sinistre, Boko Haram, déclare ceci. J'ai enlevé vos filles. Je vais les vendre. Une fille de 12 ans, je la donnerai en mariage. Et même la fille de 9 ans, je le ferai. Devant une telle situation, l'indignation ne suffit pas. C'est pourquoi le président de la République nous a donné instruction au ministre de la Défense et à moi-même, dès la commission de cet horrible crime, de mettre les services, comme on dit, à la disposition du Nigeria et des pays voisins. Et ce matin même, le président de la République nous a demandé de prendre contact avec le président du Nigeria pour lui dire qu'une équipe spécialisée, avec tous nos moyens de la région, était à disposition du Nigeria, concrètement, chacun comprendra ici ce que ça veut dire, pour aider à la recherche et à la récupération de ces jeunes filles. Mesdames et Messieurs les députés, devant une telle ignominie, la France, comme les autres nations démocratiques, doit réagir. Ce crime ne restera pas impuni. Merci, Monsieur le Ministre.